Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo flip-through de deux livres en ma possession. Il s'agit de Coloring the Lion City de William Sim, ainsi que du Creative Heaven Halloween Coloring Book Disney. Il n'existe à ce jour pas de flip-through de ces deux livres sur YouTube. C'est pourquoi donc j'ai décidé d'en faire une afin que vous puissiez faire un achat éclairé. Donc on commence tout de suite par le Coloring de Lion City de William Sim et A Sophisticated Activity Book. Alors, ce livre-là, je l'ai acheté en librairie durant mes vacances à Singapour, mais je pense que vous pouvez aussi le trouver sur Amazon. Pour quel prix, je ne sais pas. Je vais essayer de voir ça tout de suite après avoir filmé cette vidéo et je vais essayer de vous mettre ça en lien, tout en sachant que je ne suis pas affilié à Amazon. Alors, la copie que j'ai ici, enfin le livre que j'ai ici, sont des éditions Marshall Cavendish. Donc, très très bon papier, très très épais. Donc, je suppose peut supporter en fait tout ce qui est mix media, aquarelle, etc. Donc, ici, nous avons la présentation de l'auteur. Comme vous entendez, les pages sont très très épaisses. Voilà, alors l'illustrateur, donc c'est un Singapourien, William Sim, qui en fait ou dessine en fait les monuments principaux de Singapour un peu à sa sauce. Alors ça c'est le Mer Lion, donc c'est moitié lion, moitié sirène, qui est l'emblème de Singapour. Ça, ce sont les dômes. Chinatown. Ce genre d'illustration, en fait, qui est un peu, qui n'est pas trop réaliste, on va dire, peut permettre d'utiliser des couleurs très vives, très fantaisistes aussi. Pour avoir visité Singapour, en fait, c'est une ville qui est très très moderne, avec un climat assez humide. Ce qui fait que les plantes ont des couleurs très vives, très luxuriantes. Ça, c'est, je pense, c'est Little India. Alors, je plie aussi un peu le livre parce qu'il est un peu rigide, étant donné que les feuilles sont assez épaisses, en fait, hein. Je suis très, très agréablement surprise. Donc, Singapour étant une ville-état, beaucoup d'immeubles comme ça, appartements. Ah oui, la fameuse passerelle entre deux tours, très impressionnant. En fait, il y a de quoi faire, hein. Il y a quand même pas mal de détails.
On voit ce petit personnage un peu partout à travers tout le livre. Encore une fois, le Merlion. Voilà pour ce livre. Je vous présente maintenant le Creative Heaven Halloween Coloring Book Disney. Ah oui, j'ai oublié de vous dire au niveau de la dimension. C'est une dimension A4. Si je prends un Jade Summer. Donc déjà, il est très épais. Et c'est vraiment la même chose qu'un Jade Summer A4. Donc voilà le prochain livre, aussi format A4, papier Amazon, assez fin, plus fin que le Jade Summer, limite imprimante. Voilà, je vous laisse découvrir. Un dessin par page. Oui, je sais pas pourquoi maintenant c'est sur l'autre page. Donc ça, seulement pour cette feuille, c'est du recto verso. Je vois un illustrateur ici. Non, il n'y a pas d'illustrateur de cité dans ce livre-là. Alors, je vous remercie d'avoir passé du temps à visionner cette vidéo. Je vous souhaite alors bon coloriage, bonne journée, bonne soirée. Et à bientôt alors.
Bye bye.